Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une recette toute simple de filet mignon. Donc là, j'ai seulement la moitié d'un filet mignon, c'est pour deux personnes. J'ai deux carottes et quelques pommes de terre que j'ai pelées. Donc je vais les couper en morceaux parce que je vais les faire cuire avec la viande. Et les carottes, je vais en faire des tagliatelles. Alors pour faire des tagliatelles de carottes, c'est tout simple, hein. Donc là, les pommes de terre, je vais les couper en quatre. Hein. Donc, moitié dans la longueur, moitié dans la largeur. Il faut faire des petits cubes, quoi. Ça, c'est pour les patates. Et ici, pour les carottes, je fais des tagliatelles. Je vais faire toutes mes carottes de cette façon. Donc je les fais entièrement les deux et comme ça j'aurai des tagliatelles de carottes. Alors je vais les mettre là-dedans en attendant parce que je vais les jeter simplement dans l'eau salée. Donc je continue jusqu'à ce que j'ai plus de carottes. Voilà, donc maintenant je vais faire mes patates. J'ai mis mes pommes de terre avec un couvercle à cuire, mon eau salée pour mes tagliatelles de carottes est prête et ma viande attend que mes pommes de terre soient cuites. Donc c'est parti pour chauffer l'eau et pour cuire les pommes de terre. Je commence par les pommes de terre parce que c'est plus long, hein. Voilà, donc mes pommes de terre maintenant sont cuites. Donc, je vais mettre à chauffer mon eau pour mes carottes et mettre à rôtir ma viande. Je vais saler, poivrer et mettre quelques petites herbes. Je vais les retourner très souvent pour qu'ils restent, qu'ils ne sèchent pas. Et voici une fois égoutté. Il n'y a plus qu'à servir. Bon appétit!